Bonjour, bonjour la famille, bonjour, bonjour. Avis à la diaspora, à tous mes bons petits. Parce qu'on a décidé de partager, tu sais, je suis dans une autre phase. Et quand je suis inspiré, je dois partager à mes petits frères tout ce qui est bien. Voilà. Donc, avis à tous les demandeurs d'asile, voilà, où que tu te trouves, que ce soit dans une préfecture, que ce soit au HCR, au Haut Commissariat des réfugiés des Nations Unies, le HCR qui est une agence, voilà, des réfugiés des Nations Unies, voilà, où que tu te rends, quelle que soit l'organisation qui est là pour les réfugiés, où que tu te rends, tu vois, c'est une autre option. Ok, c'est une option. Mais l'asile n'est pas le seul moyen pour avoir les papiers dans un pays. Faut qu'on parle ça, c'est un petit frère. Ça va le temps que tu te rends compte que ça t'a tellement perdu le temps. Quand tu es demandé d'asile. Quand tu es demandé d'asile, ne te focalise pas seulement à ça. Ce n'est pas le seul moyen pour obtenir les papiers. Je m'adresse à mes bons petits. Tu ne peux pas arriver dans un pays à 20 ans. Tu finis par avoir les papiers après 10 ans. Mais comment? Comment? La demande d'asile est une option. Oui. Mais ce n'est pas le seul moyen à avoir les papiers. Il faut se dire la vérité. Comment tu arrives dans un pays à 20 ans? En se mariant. On peut obtenir ses papiers en se mariant. On peut obtenir ses papiers par adoption. Mais oui, demande d'asile, c'est bien. Bien. Mais ce n'est pas le seul moyen pour avoir les papiers dans un pays. Ce n'est pas le seul moyen. Ça fait partie des options. Genre, on te tamponne en route, monsieur, présentez-vous. Voilà, tu sors ton récépissé, tu montres, oui, j'ai demandé l'asile, sans coût de téléchargement. Voilà, je suis en attente. Je fais partie de la liste des attentes de demandeurs d'asile. Mais ce n'est pas la seule option. Il y a plusieurs voies et moyens pour avoir les papiers dans un pays. Et tu es encore jeune. Si tu attends l'asile là, ça va manger les années dans ta vie. Tu risques d'avoir les papiers, mais ne plus avoir la force de travailler. Est-ce que tu comprends? Donc, il faut bien réfléchir. Ne te focalise pas rien que sur ta demande d'asile. Voilà la raison de ce direct de ce matin. Ah, je le fais parce qu'il y a un petit frère qui m'a appelé hier pour me saluer, pour envoyer sa partie, sa contribution des enfants déplacés du Nozo. Il dit, mais petit frère, ta situation c'est comment? Il me dit, grand frère, je n'ai pas encore les papiers. Et c'est un petit que ça fait au moins déjà 7 ans. Et mais je me souviens à l'époque, quand lui au moins causait tellement, il avait 21 ans. Donc après 7 ans, tu n'as pas les papiers, petit frère. Après 7 ans, tu n'as pas les papiers. Hein? Le Boza, Niger, Algérie, refoulement, t'as pris. T'ont pris combien? T'ont pris 3 ans. Donc ça veut dire que 3 ans plus 7 ans, ça te fait 10 ans. Tu n'as pas encore les papiers. Mais attendez, mais toi et moi on causait en vidéo. Mais tu étais un beau garçon, un mignon garçon. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qui t'a dit que la demande d'asile est la seule option? Tu es là, tu te balades dans les pays des gens comme un mauvais esprit. Petit frère, pourquoi quand je parle, vous ne m'écoutez pas? Voilà la malchance que moi j'ai. Mes proches ont des difficultés pour moi, pour m'écouter. Tous mes proches, c'est un constat. Alors pourquoi j'aime faire mes choses avec les inconnus? Et parfois, l'humiliation c'est moi. Parce qu'on m'a dit, il marchait avec lui. N'est-ce pas, il marchait avec Banga Diaspora? Voilà pourquoi il y a les relations que moi je fuis. Quand je commence à te parler et que tu ne m'écoutes pas, qu'est-ce que je fais? Je fuis. Oui, il y a des relations qu'il faut fuir. Il y a des relations qu'il faut éviter qu'elles soient trop proches de toi. Il y a des relations qu'il faut éviter que les gens vous voient ensemble. Parce que son échec t'incomble.
Mais oui. Mais oui. On va dire que le monsieur-ci là, la fille-ci, n'est-ce pas, il marchait, n'est-ce pas, elle marchait avec celui-là. Comment il a échoué? Donc voilà un monsieur qui parle aux gens, mais il vole la chance de ses proches. Il faut faire attention. Il y a des amitiés qu'il faut arrêter. Il y a les collaborations qu'il faut arrêter. Parce que s'ils échouent, on va dire que c'est toi le coupable. Alors que ces personnes ne t'écoutent pas. Elles n'écoutent qu'elles-mêmes. Ah oui, nous avons comme ça auprès de nous des personnes qui ne veulent pas nous écouter. Alors que nous tirons les oreilles des gens tous les jours. Alors que des inconnus nous écoutent. Il y a l'un de mes bons petits de Mbanga. C'est l'autre jour qu'il a eu l'asile. Ça fait déjà presque 9 ans. 9 ans. 9 ans. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Et tant que tu n'as pas les papiers, mon ami, tu n'es pas stable. Psychologiquement, physiquement même. Tu peux avoir l'âme, tu n'as pas les papiers, ça ne t'appartient pas. Il suffit un petit problème là demain matin, on te demande où l'argent se sort. Déclare. Tu n'as pas les papiers, tu as fait comment pour avoir ça? Hein? Tu peux faire comment pour avoir cet argent alors que tu n'as pas les papiers? Donc quand tu n'as pas les papiers, mon ami, tu es comme une bombe à retardement. Tout est possible. Tout peut arriver à tout moment. Tout peut arriver à tout moment. Je me souviens, je suis allé rendre visite à un ami une fois, dans un pays que je vais taire le nom, pour qu'il ne se fâche pas. J'arrive là-bas, subitement, voilà son petit beau qui arrive. On a arrêté son petit beau Nganda. Il fumait son gué. Au retour, on l'a arrêté. On l'a amené. Au lieu d'amener les policiers chez lui, là où il habite, comme il était sans papier, il amène les policiers chez sa grande soeur qui est mariée, à un ami à moi. Voilà qu'arrivé là-bas, on se met à fouiller la maison. On part tamponner 80 000 euros. Et l'ami lui-même n'avait pas de papier. On dit que c'est l'argent de qui? On dit que c'est l'argent du beau. Non, la problème là. Ça fait des problèmes. Donc faites beaucoup attention, la famille. Faites beaucoup attention. Ok? Demande d'asile, c'est bien, mais ce n'est pas le seul moyen pour avoir les papiers. Il faut qu'on soit clair dessus. Petit frère, tu arrives dans un pays, tu es très jeune. Fais la demande d'asile, oui. Tu mets ton récépissé dans la poche. En attendant que ça sorte, en attendant que la vie te soit favorable, oui ou non, tu te cherches ailleurs. Sois sympa, on peut t'adopter. Il faut fréquenter les campagnes. Quand on parle, les gens disent que non, il y a quoi en campagne? Le seul bon moyen d'avoir les papiers facilement, c'est dans des petites villes, c'est dans des campagnes. Ils ne connaissent pas encore certaines réalités. Ils négligent certains détails. Les villageois sont capables d'aller témoigner pour toi. On ferme les yeux sur certains petits détails. On te donne. Oui, la procédure du village n'est pas la procédure de la ville. En ville, on se méfie. Je me souviens quand j'étais plus petit, quand on allait à Douala en vacances, quand on passait là-bas, devant la mairie, devant la poste de Nubel. Mais attendez, les gars qui font le truc là, Aladi là, oh tu as traversé la magie. On a peur. En ville, on a peur. On se méfie de tout le monde. Parce qu'en ville, on est mélangé. Tout est mélangé en ville. Alors que dans les petites villes, l'obtention est plus facile. Même si le bureau ne se trouve pas dans la ville. Je prends un exemple. Le Nigérian qui est en Banga, en Consamba, a facilement sa carte de séjour que celui-là qui vit à Douala Yaoundé. Pourquoi? Je m'explique. C'est simple comme bonjour. Au village, on peut t'adopter. Tu as la nationalité directement. Dans tous les pays du monde, il y a les réseaux très faciles, mais dans les petits villages. Parce qu'on n'est pas rigoureux. On n'est pas rigoureux dans les petits villages. J'ai un ami nigérian là-bas en Banga. Parce qu'il a épousé une fille de là. Son beau-père l'a reconnu comme son fils.
Tu vas voir un étranger arriver dans un pays. Après 2 ans, 3 ans, il a la nationalité, tu Rwanda. Mais oui. Mais oui. Mais oui. Quand les Chinois arrivent en Indonésie, ils ne viennent pas à Jakarta. Les Chinois, je prends un exemple. Quand les Chinois arrivent en Indonésie, pour certains Chinois qui viennent en Indonésie pour faire les affaires, ils n'arrivent pas à Jakarta. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans les villes à côté. Les villes, les villages, comme la ville Manado. Manado, c'est une ville qui est typiquement chinoise. Il y a beaucoup de Chinois là-bas. Ils se font adopter par un autre Chinois. Il a sa nationalité. Directement, la cadenité fait ses affaires. Quelqu'un m'a dit un jour qu'il n'y a pas l'immigration en Banga, en Consamba. Mais tu n'as rien compris. Tu ne connais pas le Cameroun. Le commissariat spécial, quel est son rôle? Le commissariat spécial représente l'immigration dans les petites villes. Quand tu ne connais pas, il faut demander. Le commissariat spécial représente l'immigration dans les petites villes. Quand tu pars à la gare routière de Mbanga, la gare ferroviaire de Mbanga, tu vas voir les anti-gangs là-bas. Ce sont eux qui interpellent les Nigérians qui passent dans le train à l'époque. Ce sont eux qui interpellent les étrangers qui sont dans les petites villes. Ce sont eux qui ont qualité. Hein, tu comprends? Dans le commissariat spécial, dans les petites villes, toi qui ne connais pas qu'il y a l'immigration dans les petites villes, c'est le rôle du commissariat spécial. Ça veut dire que la majorité sortent des polices, des frontières à Douala, Yaoundé, qu'on affecte dans les commissariats spéciaux. Tu ne connais rien, tu fermes ta gueule. Tu n'as pas vécu. Respecte les gens qui ont vécu. Donc il est plus facile de gérer l'affaire de papier dans les campagnes. Pourquoi? Parce que tout le monde se connaît. Un père vient témoigner que celui-ci-là, c'est mon fils. Il vient à moi et moi depuis 10 ans. On lui fabrique des faux papiers, on lui donne. Tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît. Tu peux être un bon footballeur dans une petite campagne. Tout le village t'aime. Mon ami, le témoignage, ça passe. On te donne les papiers. On t'amène à la préfecture. On te donne tes papiers. C'est plus facile pour toi. On t'aide parce que tu es un garçon qu'on aime. Tu es jovial. Tout le monde adore dans le village. Tu ne séduis pas les enfants des gens. Tu ne séduis pas la femme des gens dans le village. Tout le monde t'adore. C'est comme ça que les gens vont te donner les papiers. Hein? Mais quand on parle au petit frère, il va comprendre. Tout le monde est focalisé. Demande d'asile. Après 10 ans, tu ne peux jamais demander l'asile. On te donne ça après un laps de temps. Le système européen, partout dans le monde, est informatisé. Toi qui quittes de l'Espagne, toi qui quittes de l'Italie, toi qui quittes par-ci, par-là, tu demandes l'asile là, mon ami. Tout ça, c'est le même système. Ils connaissent. Ils te perdent le temps. Ils veulent que tu t'adaptes d'abord. Partout dans le monde, c'est comme ça. Ils veulent que tu t'adaptes d'abord. Que tu sois en Asie, que tu sois en Europe, que tu sois en Amérique, ils veulent que tu t'adaptes d'abord. Pour cela, on ne peut pas te donner ce que tu désires à l'instant T. Maintenant, la suite pour la demande d'asile, c'est que il faut que tu sois en situation d'irrégularité pour faire la demande d'asile. Bah, c'est de quoi je parle. Si tu as un passeport valide, si tu as un visa valide, on ne te donnera jamais. On acceptera même pas ta demande d'asile. Est-ce que tu comprends? Donc, si tu pars au ACR pour faire ta demande d'asile, et quand on te pose la question, tu as ton passeport, tu dis oui. Ah, tu as encore le visa, tu dis oui. On n'accepte même pas. On va prendre ta déclaration, mais on va te dire. On va t'entendre. Ou soit tu vas attendre quand tu ne seras plus en situation régulière. Et maintenant tu vas venir. C'est quand ton visa s'expire qu'on te considère et qu'on peut te donner le reçu de la demande d'asile. Il faut soit clair. Et on va te perdre le temps. 5 ans, 10 ans. C'est le temps pour eux de laver ton cerveau pour que tu commences à aimer le système. Et maintenant quand tu obtiens ta demande d'asile et que tu as tes papiers, c'est bien mentionné. Tu vas aller n'importe où dans le monde entier, sauf dans ton pays. Au Cameroun, tu ne faisais pas, tu n'étais pas un tiré. Au Cameroun, tu n'es pas persécuté, tu n'es pas politicien. Te voilà maintenant qu'on t'a interdit ton pays. Te voilà maintenant qu'on t'a interdit ton pays. Parce qu'on ne te dit pas de ne pas partir. Mais c'est écrit dans le document que tu as là, que
que tu peux aller n'importe où sauf le Cameroun. Je dis bien que monsieur, tu ne peux pas être dans un pays en situation normale. Tu demandes l'asile, on te donne jamais de la vie. Tu sais de quoi je parle. Tu peux obtenir l'asile étant sur le territoire camerounais, oui. Ok? Tu peux sortir du territoire camerounais comme demandeur d'asile, comme les Lapiro de Manga. Lapiro de Manga perd son nom, papa Lapiro. Il est sorti en tant que demandeur d'asile sur le territoire camerounais. Mais tu ne peux pas arriver à l'extérieur. Tu prends ton passeport en bon et due forme, avec le visa encore valide. Tu pars dans un bureau du HCR, au Haut Commissariat des réfugiés, demander, faire la demande d'asile. On prend ça en considération. Voilà pourquoi tu es obligé de cacher ton passeport, tu es obligé de déchirer ton passeport. Tu peux demander l'asile dans un aéroport. Tu déchires, tu jettes ton passeport. C'est clair. C'est de ça que je parle. Voilà. Tu es libre de me contredire, mais écoute mon direct. Écoute mon direct. Je ne m'attarde pas trop sur l'asile. Mais je dis bien que ça prend le temps. Ce n'est pas la seule option. C'est même ça le direct. J'ai envie de trop m'expliquer parce que j'aime trop faire les choses trop bien. Mais en réalité, ce n'est pas ça le but du direct. Demandeur d'asile là-bas. Je dis bien que tant tu fais la demande d'asile, ça perd plus de temps. Alors qu'il y a d'autres moyens pour obtenir les papiers plus facilement. Et tu comprends? Voilà. Maintenant, le reste là, c'est les détails. Mais je dis bien que il y a peut-être dans la vie un million, sauf les politiciens, sauf ceux qu'on connaît, sauf ceux qu'on connaît qui ont été vraiment persécutés, qui ont les papiers de demandeurs d'asile rapidement. Mais le reste là, beaux ailleurs, tout et tout, ils sont plus nombreux. Ça perd le temps. Ça perd le temps. Ce que je dis là, je suis témoin. Si vous êtes sans beaux ailleurs, vous faites la demande d'asile, ça a pris peut-être 2 ans. Les plus chanceux, c'est 1 an. Ça a pris 2 ans, 5 ans, parfois 10 ans même. On rejette par-ci, par-là. Vous vous baladez partout. Tu connais tous les pays du monde entier, de la sous-région, parce que tu demandes là-bas, tu demandes là-bas. Alors que, en te mettant bien là, en allumant les gars, petit frère, comment tu n'as un pays où il y a les gars? Tu les allumes pas. Vous ne pas vous insulter les tisa. C'est pour dire la femme est intelligente plus que l'homme. Il n'y a que l'homme quand il veut quelque chose. Il n'a qu'une seule option. La femme quand elle veut quelque chose, elle a plusieurs options. Il faut souvent prendre l'exemple sur les femmes. Tu insultes une femme de bordel, mais pour finir, ton grand frère va la draguer. Tu insultes une femme, oh, elle est mal élevée, oh, elle s'habille mal, parce qu'elle t'allume pour finir. Donc voilà, tu te retrouves dans le lit avec elle. Tu finis par l'aimer, tu finis par l'épouser. Regardez bien, la bordel du quartier, parfois elle finit par se marier avec quelqu'un qui était très calme dans son coin, qui était même proche de toi. Pourquoi? Parce que parler pour vous là-bas, elle est là pour se mettre à l'aise. Elle se met en bien pour allumer les hommes. Elle ne perd pas le temps. Elle est là pour allumer. Donc toi aussi, je ne comprends pas comment tu es jeune. Hein? Et tu es là. Tu as de la peine pour te mettre. Allume-moi les petits filles là-bas, petit. Oui, allô, man. Ah, je suis en bas derrière. Hein? Ok. Voilà. 15 ans même, voilà. Donc, c'est pour dire que quoi? Petit frère, tu es encore jeune, tu viens d'arriver dehors. Mais petit frère, la première richesse d'un homme, c'est sa jeunesse. Que tu sois une femme, que tu sois un homme. Ta première richesse, tu dois être un homme. Tu dois être attirant. Surtout quand tu veux quelque chose, tu dois t'offrir les moyens de l'avoir. Chaque problème a une solution. Mais ne t'éternise pas sur une seule solution. Ou bien sur une seule option pour l'obtenir. Connais que c'est toujours un autre moyen comme ça. Là. Te voilà, tu ne voulais pas perdre ta nationalité. Te voilà, tu es demandeur d'asile. Tu n'es plus Camerounais. Hein? Tu deviens un citoyen du monde. Tu deviens un citoyen du monde. Et tu parles n'importe où, sauf ton pays. Voilà pourquoi maintenant certains sont obligés de s'arrêter qu'au Gabon, prendre la route. Certains sont obligés de s'arrêter au Nigeria,
de s'arrêter qu'au Nigeria, maintenant prendre la route. Donc c'est pour dire, petit frère, petite soeur, demander l'asile c'est bien. Mais si tu es un autre moyen, il faut te battre, cherche. Parce que la demande d'asile, c'est d'abord ça perd le temps. Ok? C'est bien, on connaît, tu te bats parce que tu veux les papiers, oui, mais ce n'est pas la seule option. Ce n'est pas la seule option. Il y a plusieurs autres possibilités d'avoir les papiers et être même libre. Imagine, tu es encore très jeune. Comment tu arrives dans un pays? Après 10 ans, tu n'as pas une copine de là. Tu es quel genre de gars même d'abord? Tu es quel genre de gars? Quand tu fais ta demande d'asile, premier rendez-vous, on te met peut-être dans 4 mois. Deuxième rendez-vous, dans 8 mois. Troisième rendez-vous, il dit que l'an prochain, tu te balades, oui, tu as ton récépissé, oui. Et après, un matin, on te dit que vraiment, on est désolé. On est désolé. Parce que tu t'es focalisé rien que sur une seule option. Il y a l'option que pendant ce temps, avec ton récépissé, tu pouvais te battre, tu cherches ton âme, tu remarques un mouna. Tu pouvais faire un mariage blanc. Pendant ce temps, maintenant, tu te focalises. Il y a les gars au quartier. Tu les dragues. Il faut les draguer, petit frère. Et c'est même le meilleur Kaolo. Hein? C'est même le meilleur Kaolo que tu ne demandes à personne. Hein? Quand tu as ton mouna, hein, et que tu as Kalan Kalan la remet, elle a accepté que tu peux reconnaître ton enfant. Tu es tranquille. Hein? Comprends pas, c'est un petit frère. C'est ça ici. Vous voyez que tout est informatisé là, vraiment, c'est des problèmes. Hein. Fatigué, on ne sait vrai que tout. Tu sors, tu oublies un petit détail, c'est le problème. Hein? Mais oui, Benita, tu as compris alors, quand on le blindé, bien sûr. C'est vrai, c'est vrai. Je ne comprends pas. Moi, tu arrives dehors 10 ans après, tu n'as pas une copine. Comment tu peux vivre en Indonésie 10 ans après là? Tu as les problèmes de papier. 10 ans, tu n'as pas rencontré une Indonésienne que tu vas épouser. Comment? Ça veut dire que tu n'es pas sûr dans ta vie. Ça veut dire que tu vas être un homme libre. Non, petit frère, nous ne sommes pas libres sur la terre. Voilà pourquoi on a les dirigeants. Ok? Nous ne sommes pas libres. Personne n'est libre. Voilà pourquoi dans chaque communauté, il y a un chef. Et que tu dois respecter les règles. On vit en fonction des règles. Dans la vie, il faut être malin. J'ai toujours dit, l'aventure n'est pas faite pour les personnes nonchalantes. Pour les personnes timides. L'aventure n'est pas faite pour toi. Si tu es timide, ne voyage pas. Mais oui. Bon, il y a des personnes qui ne veulent rien comprendre. Quand on les parle, on dit non, petit frère, non. Mets-moi tes principes de côté, tu n'as encore rien. C'est qu'on a déjà. Quand on a des principes, tu n'as encore rien. Fais avec le peu que tu peux avoir. Maintenant, ce que je conseille ce matin, c'est de ne pas se focaliser rien que sur la demande d'asile pour avoir les papiers. Mais oui. Mais oui, parce que la demande d'asile, c'est un peu comme tu as réussi, mais on te poursuit. La demande d'asile, c'est un peu comme tu as réussi, mais on te poursuit. La demande d'asile, c'est un peu comme tu as réussi, mais on te tient. Parce que si un jour, tu deviens une grande personnalité, attendez, et que tu veux dire certaines choses contraires à la vérité, on va sortir ta déclaration, ce que tu avais déclaré là-bas. Et il y a beaucoup parmi nous là, qui avons déclaré que nous sommes les Ndepso. Que nous sommes les tchèles. Mais oui. Mais oui. C'est les informations qui restent top secret. Mais si un jour tu deviens une personne importante, c'est un peu comme il y a nos dirigeants là. Ils ont des passeports européens, américains. Oui. Mais, c'est top secret parce qu'ils sont encore aux affaires. Tu es sûr que Idriss Déby n'avait pas un passeport européen? Mais mon ami, le jour qu'il est président, on annule. Il restait calme dans son coin. C'est clair. Le jour où tu n'es plus président, on annule. Mais oui. Et on a des passeports temporaires. Je connais des pays qui vendent les passeports.
C'est-à-dire, la condition, c'est quoi? Tu viens investir 2 millions de dollars, on te donne la nationalité. Tu as le passeport. Normal, hein? Normal. Ben oui. Vous voyez les Asiatiques, les Chinois, ils vont là-bas, au Guatemala, tout ça. On te dit que c'est combien? Tu déposes la caution, on te donne le passeport. Fais tes affaires. C'est clair. C'est pour un temps. En Malte, tu pars là-bas, tu as investi 2 millions d'euros. On te donne le passeport. Passeport maltais. Tu te balades avec partout. Mais oui, c'est vrai. Donc, nous devons apprendre à comprendre qu'il y a plusieurs options. Ne t'attarde pas sur une seule option. Il y a beaucoup d'options. L'aventure est faite pour les personnes qui ont les yeux ouverts, qui ont les oreilles qui entendent. Entends bien. N'écoute pas ce que tu écoutes là seulement. Tu t'attardes là-bas. Donc, on dit écoute, sois éveillé. Sois éveillé. Profite de ça. C'est clair. Parce qu'il y a certains quand on parle là, il va que se focaliser sur ça. Comme tout à l'heure, mon jeune frère qui disait que non, on peut. Oui, on peut en demander l'asile étant au Cameroun. Mais si tu arrives dans le pays là, qui t'a accueilli là, on retire tes passeports. Parce que tu deviens un citoyen du monde. Tu ne peux pas être demandé d'asile avec toujours ton passeport. Jamais de la vie. Comment? Jamais. On te donne un autre document. Tu peux être persécuté par un pays. Et pour cela, tu demandes l'asile dans un autre pays. Et on te laisse avec le même document de ce pays-là. Mais jamais. Ce n'est pas la logique. Comment on protège quelqu'un qui n'a pas de problème, qui peut aller chez lui, qui peut rentrer chez lui? Mais oui. C'est un peu comme le cas du général Vassero. Le général Vassero n'avait pas un problème. Il a voyagé avec son visa. Il n'a pas demandé l'asile. Non. Le général Vassero n'a pas demandé l'asile. Maintenant, on veut l'obliger à être réfugié. Voilà. Ils veulent obliger le général Vassero. C'est un piège. Ils veulent l'obliger à être réfugié. À avoir un autre document. Et c'est ce que lui refuse. Son cas est différent. Il a voyagé avec son passeport. Avec un visa. En bonne et due forme. Mais dans le passeport, c'est expiré. Il part pour renouveler. On refuse. Donc, général Vassero n'est pas un demandeur d'asile. Mais on veut l'imposer l'asile. On veut l'imposer. Est-ce que vous comprenez bien? Donc, c'est différent. Donc, il y a beaucoup d'options pour avoir les papiers dehors. Donc, j'interpelle mes jeunes frères, mes jeunes soeurs, petits frères. Quand vous sortez là comme ça, la petite soeur, tu n'as pas ton gars à côté de toi. Ok? Tu n'as pas ton gars à côté de toi, petit frère. Pendant que tu as fait ta demande d'asile là, commence à waka waka. Cherche-toi. Cherche-toi. Tu es encore un jeune garçon. Il est normal que tu vis dans un pays. Dans ton pays, tu étais le plus chaud du quartier. Le plus mignon de la ville. Le meilleur rappeur. Toutes les filles couraient après toi. Mais comment tu voyages? Mais tu n'as plus tous ces esprits là. Hein? Tu n'as plus tous ces. Tout ce style là. Tu as mis ça où? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais dans ton petit jonglage. Tu achètes les petits chomets, les petits changchous. Tout et tout. Tu te mets à l'aise. Tu gardes ton feeling. Tout le feeling là que tu avais là, c'est parti. Où tu as mis ça au petit frère? Comment? Mais petit frère, va dans les gares. Va dans les malls. Tu salues les gens. How are you? Bonjour. Tu es sympa. Mais oui. C'est dans ça que tu vois ta part. Ne te couche pas à la maison. Tu attends ta demande d'asile. Tu manges, tu gonfles, tu prends le poids. C'est quelle manière ça? Tu gonfles. Comment tu peux te chercher et tu ne mets pas toutes les opportunités de tes côtés? Quand tu te cherches, tu te débrouilles. Tu dois mettre toutes les chances de ton côté. Mais oui. Mais c'est toi qui n'as pas les papiers. Tu te cherches. C'est toi qui es là amoureux aussi d'une autre femme qui n'a pas toujours les papiers. Et vous vous êtes rencontrés dehors. Mais tu es fou même dans ta tête. Hein? On dit métissez-vous. Hein? Tu n'as pas de papier. Tu cherches aussi notre gars qui n'a pas de papier. Que non, Dieu va nous aider. On peut dire aide-toi d'abord, petit salopard. Tu n'as pas la volonté de t'aider. Parce que tu t'accroches à quelqu'un qui est dans la même situation que toi. Au lieu d'aller t'accrocher sur une personne qui a une situation mieux que toi, pour que demain tu aides celui-là qui n'est pas. Mais tu es comment même? Tu es comment? Tu as laissé tes pauvres parents au Cameroun.
tes pauvres frères et sœurs. Pour aller où? Pour aller là où tu prétends avoir un avenir meilleur. Mais comment se fait-il que tu arrives là-bas? Au lieu de t'accrocher là où on peut t'aider, tu peux t'accrocher, mais il fallait que tu restes au Cameroun. Mais oui, il fallait que tu restes au Cameroun. Il fallait rester au Cameroun avec tes frères, tes soeurs, tes parents pauvres là. Le bon Dieu devait tout vous aider. C'est ce que tu veux me faire passer comme message. Que non, mettons-nous ensemble, vraiment, le bon Dieu va nous aider. Non, Dieu aide ceux qui ont la volonté de s'aider. Ok? Dieu aide ceux-là qui ont la volonté de s'aider. C'est clair. Si tu n'as pas la volonté de t'aider, Dieu ne peut pas t'aider. Hein, tu comprends? Voilà. Tu vois un peu celui-là qui est en train de parler. Tu vois le complexe de l'homme africain. L'homme africain, même le Gabon, c'est un ben. Si tu ne comprends pas. Quand on parle de la diaspora, même celui qui vit au Gabon, pour celui qui parle là qu'il est dans un faux pays là-bas, tu vois, c'est le complexe de l'homme africain. C'est qu'il est sûr que là où je suis là, je suis mieux qu'un Camerounais. Je suis mieux qu'un Camerounais qui est au Cameroun. Là, tu vois un peu, tu vois le complexe de l'homme africain. Même celui qui est au Gabon vit en diaspora. C'est ça qu'on appelle Mbeng. Tu comprends? Voilà. Donc va bien chercher la définition, ce qui veut dire Mbeng. Mbengue. Voilà. Tu comprends? Donc voilà. Donc ça veut dire que tu es un villageois. Tu ne comprends pas. Tu es un complexé en fait. Tu es ceux-là, les colonisés. Mais parmi les passeports les plus puissants, on m'a dit que les passeports les plus puissants se trouvent en Asie. Mais comme tu es complexé, parce que là où tu es là, c'est là où j'ai commencé. C'est là où j'ai commencé. Quand j'ai traversé la Méditerranée en 2000, toi tu ne connaissais pas comment tu vas traverser. Bah, c'est ça le complexe. Maintenant, je cherche ce qui peut me donner quelque chose. Je cherche où je peux trouver le bonheur. Je me réponds à toi, mais c'est maman Doukou, c'est qui là? Tu parles que... Il y a tous les grands noms que vous comprenez là, quelque part là. Ok? Et ils cherchent l'argent en Asie. Là où tu es là-bas là, et ils fabriquent tout ici là. Tu n'es pas différent d'un esclave qui aime son bourreau. Ok? Pour toi, tu es convaincu que parce qu'on t'aide, tu vas réussir. Mais les années plus tard, tu te rends compte qu'il n'y a personne qui a réussi parce qu'on l'a aidé. Tes allocations familiales là, au contraire, ça va te rendre plus paresseux. Ok? Voilà. Voilà. Donc tes petites allocations familiales qu'on te donne là, ça va te rendre pauvre. Ça va te rendre pauvre. Ah, tu comprends? C'est pas que tu es un villageois, tu ne comprends rien. Et c'est pour ça qu'on est sur Facebook pour les gens comme vous là. Pour vous répondre. On a du répondant. On a du répondant. Voilà les Chinois, quand on dit que c'est les pauvres. Oh, mais mon ami. Et ils sont parmi les décideurs du monde. Ils ont le droit du veto. Voilà la Chine. Tu te moques d'elle. Mais elle est puissante. Avec le temps, tu comprends que non. Non. La puissance n'est pas l'argent. La puissance, c'est l'équipement. C'est ton idéologie. C'est ça la puissance. C'est de dire à l'autre que tu m'arrêtes ça. C'est de dire à l'autre que tu m'arrêtes ça. Sinon, j'entre en guerre avec toi. Et elle entre en guerre avec l'Ukraine. On ne fait rien. Vous criez. Mais si c'était chez Kadhafi, ils sont venus en quelques jours, ils ont rasé Kadhafi. Vous n'avez rien parlé. Vous n'avez rien parlé. C'est ça le complexe en fait. Quelqu'un va dire que la Russie c'est quoi? Tu connais l'histoire de la Russie? La puissance d'un homme c'est son histoire. Mais comme nous Africains, nous sommes dans la bêteté. Nous sommes complexés en fait. Nous sommes complexés. Nous sommes des esclaves de notre histoire. C'est ça le problème en fait. C'est compliqué. Qu'il est dans un pays là-bas en Asie. Je te rappelle bien que les passeports les plus puissants du monde, c'est l'Asie. Ok? Voilà. C'est le Japon. C'est passé dans ta tête. On t'a dit que l'Asie, il n'y a rien là-bas. Voilà. C'est Singapour. Un pays que toi, le Cameroun, a aidé. Quand tu peux taper là, quand tu vois les passeports les plus puissants, quand ce n'est pas le Japon, c'est Singapour. Et tu comprends? Voilà.
Mais toi, dans ta tête, tu ne connais pas ça. Tu es borné. Et dans la vie, là, on choisit où on se sent mieux. Alors, tu comprends? Partout, il y a les clochards. Même en Indonésie, il y a les clochards. Même en France, il y a des clochards. Même aux États-Unis, il y a les Camerounais qui ont échoué dans la vie. Le plus important, c'est l'organisation. Et je ne suis pas ici pour ça. Je suis ici pour conseiller mes petits frères. Même ici, là, il y a le bureau de ACR ici, là. Même ici, il y a des Camerounais qui viennent là, qui attendent que ça, alors qu'ils peuvent épouser une femme. Ce que je dis là, c'est général. Ça veut dire que partout, tu peux faire ta vie. La demande d'asile, c'est partout. Ça veut dire que c'est un direct qui concerne tout le monde. Hein? Oh, je suis à le dos là, non? Oui, on t'attend d'ailleurs. Voilà. C'est un direct qui concerne tout le monde. Si tu es complexé de là où tu es, sache que j'ai commencé la vie là-bas. Voilà. J'ai commencé la vie là-bas. Voilà. Mamadou le Bantou, tu vois un villageois. Regardez-moi Mamadou le Bantou. Il s'appelle Mamadou le Bantou, mais il est complexé de chez les autres. Il est dans un pays là-bas en Asie. Mon ami, tu as la monnaie, petit esclave. Mamadou le Bantou, dans ton pays où tu sors là, je suis sûr que tu es de l'Afrique centrale. Et je doute fort, tu es Camerounais. Voilà. Si tu n'es pas Camerounais, tu es Gabonais. Voilà. Si tu n'es pas Gabonais, tu es Congolais. Congo, Brazzaville. Voilà. Ou soit, tu es Tchadien. Dis-moi, quelle est ta monnaie? Parce que tu peux voir un Congolais dire les choses pareilles. C'est difficile. Il n'y a que les Camerounais décomplexés. Tu ne verras jamais un gars de l'Afrique du Nord, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est, tenir certains langages. C'est là que l'Afrique centrale, les esclaves, tu n'as pas de monnaie. Hein? Tu n'as pas de langue. Tu n'as pas de langue nationale. Tu n'as pas de monnaie. Tu n'as pas de religion. Monsieur, en Indonésie, quand je parle là, il décide. Ok? Un président vient au pouvoir, il a deux mandats. Il a deux mandats parce qu'il s'est bien comporté. Si c'est mal comporté, il a un mandat. Et s'il a exagéré, il est démis de ses fonctions, étant en fonction. Ils ont leur monnaie. Ici, on n'utilise que la Toyota. Regarde bien. Ici, là, ce n'est que les Toyota. Les voisins asiatiques. Ils ne sont pas complexés de Mercedes. Ils ne sont pas complexés. Ils ont les voitures Toyota. Hein? Parce que c'est les Asiatiques. Eux, ils se préfèrent d'abord. Mais le Camerounais, pour aller au Gabon, il part là-bas. On lui dit qu'il faut le visa. Il part même. Il est victime de xénophobie. Il est victime de racisme dans son pays. De xénophobie, il est victime. Tu vois la différence? Pour aller en Guinée équatoriale, c'est un problème. On t'appelle étranger. Alors qu'on dit que nous sommes les frères. On parle la même langue. Ah, tu comprends? Voilà. Donc c'est pour dire que quoi? L'Indonésien a sa langue nationale. Il a sa langue. C'est ça on dit la puissance d'un pays. C'est ça on dit respecter une histoire. Toi, ton histoire, c'est quoi? Tu es un esclave. Tu es un esclave demain, Mamadou Bantou. Tu es un esclave demain, après demain, toute la vie, tu es un esclave. Ah, tu n'as pas de monnaie. Tu ne peux pas t'exprimer avec moi par une autre langue, à part le français. Sinon, tu ne peux rien coder. Pas parce qu'ils n'ont pas été colonisés, c'est parce qu'ils ont compris. On se préfère. Nous sommes même dans la pauvreté. On est dignes. Moi, je suis Camerounais. Voilà un papa qui est au pouvoir depuis 42 ans. Il nous sait à quoi. C'est moi ici en bas, à la place. Donc, monsieur Mamadou Bantou, je veux te conseiller ce soir. Arrête d'être complexé. Je suis en Asie. Et avant d'être en Asie, j'étais là-bas quelque part. Donc tu peux imaginer la suite. Petit villageois que tu sois. Ici, je me porte très bien. Et toutes les grandes maisons sont basées en Asie. Voilà. Toutes les grandes maisons. Il fallait répondre à ce petit villageois-là. Il est complexé, c'est un villageois. Il est quelque part là-bas en Asie. On connaît l'Indonésie plus que quand les plus grands du monde se rencontrent. Ton président Paul Biya est derrière. Tu ne comprendras jamais que Cameroun, Asie. Tu vas comprendre Indonésie, Afrique. Russie, Afrique.
France, Afrique, Japon, Afrique. Mais tu ne comprendras jamais. Cameroun, Afrique, jamais. Donc vous êtes les esclaves, vous avez quelle histoire? Je vis dans la 4e population mondiale, le pays qui a la plus grande population mondiale. C'est un grand marché. On les connaît partout dans le monde entier. Toi, tu as quelle histoire? Tu as quelle histoire? Quelle est ton histoire? Tu vois, c'est pas, tu es complexé. Tu parles en voulant te vanter. Peut-être parce que tu vis quelque part là-bas. J'étais d'abord là-bas. J'ai choisi autrement. J'étais d'abord là-bas. Ok? Ça fait 25 ans. Et quand j'ai traversé la Méditerranée en 2000, là, peut-être tu ne t'aimes pas encore né. Mais c'est que j'ai choisi autrement. D'aller voir ailleurs. Est-ce que tu comprends? Voilà. Je travaille ici, mon argent, je fais quelque chose avec, je vois. Ici, il n'y a pas les allocations familiales. Il n'y a pas. Tu travailles, tu mérites. Tu cotises ta retraite. Ok? Tu ne travailles pas, tu n'as rien. Tu travailles, tu as. Ça ne me rend pas paresseux. Je ne jongle pas. Je ne jongle pas. Voilà. Parce qu'au fur et à mesure qu'on t'aide là, tu ne fais rien de ça. Voilà pourquoi nous, l'Afrique, on est mal parti. On passe le temps à nous aider. Mais nous sommes les éternels nécessiteux. C'est toujours nous qui mourons dans la Méditerranée. Comment se fait-il qu'on t'aide, mais tu souffres toujours? Tu vois pas qu'il y a un problème? On t'aide, mais tu souffres. Mamadou Bantou, comment toi, un Bantou, tu es complexé de là où moi, un Camerounais, un monsieur comme moi, je suis? C'est, si vous êtes abonné sur ma page, 167 000 abonnés, c'est parce que je suis pertinent. Mais oui. C'est en Asie que j'ai compris que l'union fait la force. Et l'Europe, l'empire européen va s'écrouler comme ça là. Ça va s'écrouler. Parce qu'il vit le capitalisme. Et nous là, on aura de la peine à évoluer. Parce qu'on a pris pour exemple les Européens. L'Union Européenne, on a pris pour exemple. Alors qu'ils ont une mauvaise forme de vie. Aujourd'hui, on veut abandonner nos parents qui sont malades. On s'occupe plus d'eux. On refuse d'accoucher parce qu'on veut faire comme eux. Les Russes disent jamais de la vie. Les Asiatiques, on dit jamais. Ils sont ici là. Mais vous quittez là, vous venez installer les sociétés ici là. Mais bien sûr. Donc prenez de la hauteur. Ne sois plus complexé, mon frère. Tu as compris, non? Et quand on parle de la diaspora, diaspora veut dire les Camerounais qui vivent partout dans le monde entier. Ici même, les pistes sont goudronnées. Ils ont leur monnaie. C'est ça, on dit la grandeur d'un pays. Ma monnaie m'appartient. Ok? Ma monnaie m'appartient. Je ne la loue pas. C'est-à-dire qu'on ne fabrique pas la monnaie indonésienne en France. La monnaie de l'Indonésie, je vais aller là faire la vidéo. C'est ici là. C'est ici à Krawang. On fabrique la monnaie indonésienne en Indonésie. C'est en Indonésie qu'on fabrique la monnaie indonésienne. Ok? Ils ont leur langue nationale. Ok? Ils ont leur langue nationale. Ils n'est pas obligé de parler en anglais avec toi. Ils s'en foutent de toi. Ils s'en foutent. Même l'islam, ils ont accepté. Mais il y a pour eux à côté. Ils ont tout. Ils sont musulmans. Mais ils ne s'appellent pas Mamadou comme toi. Ici là, tu vas voir un musulman. Il ne s'appelle pas Mamadou. Ils ont leur nom. Jokowi. Jokowi, c'est le président indonésien. L'autre président qui va prendre le pouvoir, là, il s'appelle Prabowo Subianto. Tu vois, il est musulman, mais il n'a pas le nom que tu as. Tu es un esclave. Tu as le nom d'un arabe, Mamadou. Tu es un esclave. Hein? Mamadou, tu es un esclave. Tu n'as pas de langue. Ton nom ne t'appartient pas. Tu t'appelles Mamadou. Tu vois? Tu vois, tu t'appelles Mamadou, tu es un esclave. Mamadou le Bantou, tu vas vouloir me dire que non, mes ancêtres, tu n'es pas musulman. Tu es devenu musulman. Quel que soit ce que tu deviens, ton originalité reste ton originalité. Tu n'es pas musulman, tu es devenu. Si ton père est devenu, tu es devenu. Ok? Le fils d'un immigré était un immigré. Ah, tu comprends? Quelle que soit la position où on t'a accouché. Ah, tu as compris? Voilà, ça s'accroche à toi. Tu as un CV. On te suit. Quand on suit ton père, on suit l'enfant. Petit Tintin, que tu sois complexé. Un villageois comme ça, là. Tu viens de dire un grand. Hein? Tu connais en quelle année je suis sorti? Petit salopard que tu sois. L'essentiel n'est pas ce que tu touches par moi.
C'est le chiffre qui te fait peur. C'est ce que tu réalises dans ta vie. Donc, petit frère, j'en ai fini ce soir, ce matin. Donc, voilà. Parlons pour tous ceux qui ont contribué. Parlons, on va citer le nom de ceux qui ont contribué. Ah, bah, c'est très important. Il y a ceux qui ont contribué hier soir. C'est pour la rentrée scolaire 2024-2025. Accompagnons les déplacés du Nozo. Ok? Pour le cahier qui est là, man. Où sont? Oui. Et bah, c'est ce que je veux. Voilà. Donc, voilà le cahier. Voilà le cahier pour ceux qui ont participé ce soir. Hier soir dans la nuit. Ok? C'est qu'il faut, il faut tout dire merci à ceux-là qui vous accompagnent. Quelle que soit l'action que tu mènes. Même pour aider les gens. C'est pas tout le monde qui demande d'aider les gens et on aide. Donc, il dit que c'est la grâce de Dieu. Ok? C'est la grâce de Dieu. Voilà. Donc, hier soir, spontanément, il y a quelqu'un qui m'a contacté. Voilà. Il m'a dit, Mbanga, je sais que c'est chaud sur, tu sais que c'est chaud sur moi. Mais quand cela ne tient, je vais envoyer ma contribution. Voilà. Donc, il y a la sœur Olive. Il y a la sœur Olive qui a envoyé la somme de 16 euros, c'est-à-dire 10 000 francs CFA. Il y a le frère Gabriel qui a fait le dépôt de 10 000 francs CFA. Il y a la sœur Babette depuis l'Allemagne qui a fait le dépôt par PayPal de 74,20 dollars. Il y a le frère Dadi Foposi qui a fait un dépôt depuis la France de 50 000 francs CFA. Il y a Wafo Fegen qui a fait le dépôt de 22 100 francs CFA. Le frère Armand Elessa qui a fait le dépôt de 25 000 francs CFA. Il y a la sœur Olga Kessler depuis la France qui a fait le dépôt de 20 euros par PayPal. On attend toujours. On a un frère anonyme qui a fait le dépôt de 20 000 francs CFA. On a Franck Romaric qui a fait le dépôt de 106 euros. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Pour le direct de ce matin, il y a plusieurs options pour obtenir tes papiers. Ok? La demande d'asile est une option pour te sécuriser. En attendant que tu provoques d'autres voies et moyens. Si tu peux obtenir. Ne te concentre pas seulement sur ta demande d'asile. La demande d'asile te protège. Parce qu'on peut t'interpeller quelque part. Ok? Tu peux être victime d'une infraction. Pendant ce temps, tu es dans un commissariat. Ton récépissé te protège. Ta demande d'asile te protège. Tu peux appeler. On intervient quand même pour toi. On dit que non, c'est un demandeur d'asile. On est en train de traiter son dossier. Tu vois un peu. Tu vois un peu. Mais il y a plusieurs autres options. Ok? Il y a plusieurs autres options. Il faut bien te comporter. Ok? Il peut avoir une petite soeur là-bas qui est comme ça là. Voilà, parle dans le modèle. Tu choisis. Hein? Tu as tes carreaux dans le mariage. Ou bien peut-être vers l'enfant, tu accouches. Elle accouche. Tu reconnais ton enfant, tu as tes papiers. On peut t'adopter. Voilà. Et c'est même le moyen le plus facile, le plus rapide même. Bien se comporter, être séduisant. Hein? Être séduisante comme une vendeuse de piments qui est séduisante, qui est jolie, qui est attirante. On insulte les vendeuses de piments, les bordels. Mais regardez, elles ont tous les gens. Pourquoi? Parce qu'elles sont séduisantes. Elles sont belles. Elles se mettent en valeur. Donc toi aussi, mets-toi en valeur, petit. Mets-toi en valeur. Il est en moment où tu arrives dehors, 10 ans après, tu n'as pas tous les papiers. Pour finir, ta demande d'asile est accordée. Et après quoi? Et après quoi? Tu as la demande d'asile, oui, c'est accordé. Tu es incapable de prendre ton vol. Langsoum, Cameroun. Langsoum, c'est-à-dire directement à la tôle, comme disent les Arabes. Comment tu ne peux pas, malgré tes papiers, tu peux payer ton billet d'avion? Tu vois que voilà quelque chose que tu as eu. Mais ça te coûte cher. Tu prends des risques pour aller au Cameroun. Alors que tu ne faisais pas la politique. Alors que, en réalité, tu n'es pas tchélé. Mais te voilà, pour ta demande d'asile, tu dis que tu étais un sorcier au Cameroun. Sache que ça reste dans les archives. Hein. Ils ne jettent rien.
Ils ne jettent rien. Ça reste dans les archives. Tout est informatisé. Dans le jour où tu deviens un grand. Qu'on veut te nuire, on va sortir ça. Que toi là, tu étais un demandeur d'asile. Tu étais un depso hier. Tu étais un tchelé. On t'a accusé dans la famille que tu as mangé les gens. Parfois, tu es obligé d'accepter même. Que oui, c'est vrai, tu disparaissais dans la nuit. Tu faisais des choses bizarres. Tout ça pourquoi? Parce que tu vas avoir les papiers. Donc mon frère, ma soeur, il y a beaucoup d'options. Même les femmes. Tu es une jeune fille, tu viens d'arriver en bain. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est quoi avec toi? J'ai tout expliqué. Il y a beaucoup d'options. Pendant que tu demandes ta demande, tu fais ta demande d'asile, il y a plusieurs autres options. Où que tu te trouves? Quand on dit que Mbeng, c'est l'étranger, les gens ont tout résumé, tout. Que Mbeng, non. L'étranger, quand tu es à l'étranger, il n'y a que les villageois, que quand on parle de Mbeng, dans leur tête, même les Guinéens, même les Ivoiriens disent que Mbeng. Disent que Mbeng. Quand on dit que Mbeng, c'est l'étranger, où que tu te trouves, quand tu es en Mbeng, quand tu es en diaspora, il y a plusieurs autres moyens pour avoir les papiers. Ne définis pas ta vie en attente de l'asile, qu'on accorde ou pas. Il y a beaucoup de moyens. Et j'ai toujours dit, la demande d'asile est la plus longue procédure d'obtention de papiers. La demande d'asile est la plus longue procédure. Et par la suite, tu obtiens. Tu ne peux pas te lever comme ça un matin, payer un billet d'avion pour le Cameroun. C'est un problème. Il faut te revoir. Il faut te revoir. Tu es un jeune garçon. Tu as les plaquettes de chocolat. Mets-toi en valeur. Tu sais ce que tu cherches. Ouvre ton cerveau. Sois éveillé. Regarde. Comprends. Tu regardes. Qu'est-ce qui est bien avec moi? Après, quand j'aurai ça, ça va se passer comment? Faut faire attention. En bon entendeur, s'aligne.